Monsieur Kosko Yaka Swedi est un ancien Maïmaï et comme je le disais tout à l'heure, nous nous sommes posé la question, ces forces d'autodéfense sont des gens qui se sont entraînés, bien que dans la brousse, bien que dans des conditions hors normes, mais est-ce que ces associations peuvent encore servir pour défendre cette fois-là sous la coupole du gouvernement? On va se poser la question et avoir une réponse avec lui sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez? Nous allons bien, nous espérons que vous aussi, et j'espère que vous avez entendu mon introduction, on se pose des questions sur le rôle que vous pouvez jouer à présent. Hein, en République démocratique du Congo, vous savez que le pays est agressé depuis plusieurs mois, on va dire même depuis plusieurs années, parce que c'est une réalité qui perdure. D'abord, vous personnellement, pour avoir pris les armes à un moment donné de votre vie, comment vous vous sentez avec cette agression en tant que Congolais? Merci beaucoup. Il y a un dicton africain qui dit, quelle que soit la longueur de la nuit, la journée apparaîtra. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie que le gouvernement de la RDC ait arrivé à comprendre la vérité que les résistants, le vaillant combattant Maïmaï, en le déclarant comme une force des réservistes de l'autodéfense populaire. Et cette qualité, nous tenons à remercier le chef de l'État et le chef du gouvernement. Au nom de tous les vaillants combattants Maïmaï, nous disons merci beaucoup. Ça a été dit quand? En conseil des ministres? En conseil des ministres, où le chef de l'État présidait le conseil des ministres. Ça nous a beaucoup réconfortés. Nous savions que non, c'était l'ennemi du pays, les ennemis du pays qui véhiculaient le message comme que les Maïmaï sont des forces négatives. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. À un moment donné, vous n'avez pas pris la mauvaise voie, que vous n'avez pas commis des actes que vous regrettez aujourd'hui, non? Non. Au juste, en réalité, il y a certains qui étaient manipulés par l'ennemi, qui faisaient la volonté de l'ennemi. Mais nous savons qu'à l'est du pays, et notamment en territoire de Fizi, territoire d'Ouvira, et une partie du Nord Kivu, ils étaient restés constants dans la lutte. Et voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement était motivé. Après des analyses, ils ont compris que la guerre qui menait les Maïmaï, c'était une guerre noble. Monsieur Kosko, pour circonscrire un peu le cadre, pour que les personnes qui vous suivent puissent comprendre, racontez-nous comment et pour quelles raisons exactement, et surtout depuis quand, dans quelles circonstances, vous avez pris la décision de vous autodéfendre. Okay. Avec combien de personnes? Comment vous êtes organisé? Très rapidement, si vous pouvez juste remonter l'histoire. Oui, l'histoire en est que le pays était agressé. Quand? Et depuis 1996. Depuis 1996, nous sommes organisés. Nous avons senti la démission de l'État. Alors, au nom de la société civile, nous avons dit que non, si aujourd'hui, nous baissons les mains, nos peuples, nos papas, les mamans seront massacrés. Là, vous êtes où? J'étais à Fizi. À Fizi. En territoire de Fizi. Là, j'étais professeur à l'Institut de Fizi. Ah bon? Donc, vous aviez une vie avant d'être... Oui, bien sûr. Professeur à Fizi en 1996. En tant que professeur, j'étais obligé de quitter l'enseignement et d'entrer dans la résistance qui était conduite par le commandant des opérations, le général Sofélès Kassindi, fait à son âme. Et après, de 1996 à 1997, à la prise du pouvoir par l'AFDEL, on a changé les gouverneurs. On a changé... Quand vous avez quitté l'enseignement, je veux savoir, de 1990 à 1997, vous faisiez quoi? J'étais le secrétaire général de tous les Maïmaï en territoire de Fizi. Les Maïmaï qui faisaient quoi? Les Maïmaï, à cette époque-là, on nous appelait des combattants, des militants combattants. Vous combattiez avec on combattait à côté, ensemble avec le gouvernement du maréchal Mobutu. Ah bon? Vous combattiez qui? On combattait les agresseurs, puisque chez nous, on a vu les Rwandais venir. Avant de commencer la guerre de libération, ils ont commencé à massacrer, à tuer, à égorger, à brûler vif. Ça, c'est après les génocides, ils venaient chercher des terrains moins. Ok.
Alors, avec ça, nous avons compris que non, ça, ce n'est pas la libération. Si c'était la libération, il devrait commencer dans des villes. Mais comme ils commencent à massacrer, ils ont les tensions, comme on était déjà informé que non, et ils vont massacrer, nous avons pris notre disposition de nous prendre en charge. On s'est pris en charge, on a commencé avec les lances, avec des machettes pour militer, puisque nulle part on n'était pas armé. Mmh. On dit que vous aviez aussi des forces mystiques. Non, pas de force mystique. Vous n'avez pas un peu de spiritualité, de si vous avez Dieu, vous avez des forces mystiques. Parce que Dieu, il est surnaturel. Vous aviez des enfants avec vous que vous droguiez. Non, ça ne peut pas se faire. C'est faux. Puisque si c'était ça, le gouvernement ne devrait pas prendre cette décision aujourd'hui. Si le gouvernement arrive à prendre cette décision, puisqu'ils ont fait une analyse dit que non, ils sont dans la vérité. Et cette vérité motive le gouvernement en conseil des ministres avec les chefs de l'État de dire que non, ce sont des réservistes. Nous tenons à remercier les chefs de l'État pour ça. Nous et moi particulièrement comme patriarche de Mai Mai de 1996-97, ça passe de 98 avec l'arrivée de RCD Goma jusqu'à l'accord de Lusaka, là où on nous a traité de n'importe quoi comme de forces négatives, puisque c'était le plan de balkanisation. L'accord de Lusaka avait balkanisé le pays. Qui vous a traité de forces négatives? Toute l'Assemblée ou bien une partie a plaidé pour ça? Non, les gens qui ont participé à l'accord de Lusaka. Les gens qui ont participé à l'accord de Lusaka traitaient de Mai Mai comme des forces négatives. Maintenant, ils ont observé le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu qui n'était pas observé sur la ligne de front, et notamment à Fizi, on a essayé un peu de mettre de côté leur cessez-le-feu. Et voilà pourquoi San City était convoqué sur base de la détermination de Mai Mai en territoire de Fizi. Alors, ils ont dit que non, pourquoi au niveau de l'accord de Lusaka, on a décrété le cessez-le-feu, mais ce qui n'est pas observé. Qui sont-ils? On se sont rendu compte que non, ce sont des Mai Mai en territoire de Fizi. C'est ainsi qu'ils ont convoqué San City, l'accord global de San City. C'était convoqué puisque l'accord de cessez-le-feu de Lusaka n'était pas observé. Maintenant, là, aujourd'hui, nous sommes dans la joie. La joie est que notre cause. On a rétabli la vérité. Est on a, déjà rétabli. On a lavé votre On nom. A lavé notre Mais il y a des cause. Gens qui doutent quand même, hein, qui pensent que c'est une erreur. Qui peut douter? Si vous voyez quelqu'un qui doute, dit que non, il est le représentant des Rwandais ou bien des Ougandais qui nous agressent. Ah bon. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas eu de dérive? Il n'y en a pas de dérive. Vous n'avez pas massacré des civils? Ok. Vous n'avez pas pillé. Dis-moi quel village qui peut dire que non, les Mai Mai ont massacré. En commençant par le Nord Kivu, le Sud Kivu. Uvira, Fizi, Mwenga, Walungu, Nord Kivu, Walikale. Dis-nous quel village qui était massacré par les Mai Mai. Mais il me semble qu'il y a plusieurs branches des Mai Mai, il n'y a pas qu'une seule branche. Oui, bien sûr, il y a plusieurs branches. Vous êtes le patriarche de quelle branche? Moi, je suis patriarche de toutes les branches. Donc, même les branches qui font des bêtises aussi. Non, il n'y en a pas de branches qui font des bêtises. Si vous voyez des branches qui font des bêtises, ce sont des manipulés par les Rwandais, par les Ougandais. Ok. Okay. Bon, assez parlé d'histoire, maintenant j'aimerais qu'on revienne sur les faits. Ouais. Le gouvernement, vous avez dit le président de la République lui-même a envisagé cela. Vous, comment vous comptez vous rendre utile? En faisant quoi? Okay. Parce que là vous dites que vous combattiez avec des lances, avec des machettes, vous combattiez l'ennemi avec ces instruments-là. Mais aujourd'hui la guerre a évolué, vous avez nié aussi, vous n'avez pas des forces mystiques ou spirituelles. Mmh. Comment vous comptez vous rendre utile avec des lances face à des gens qui ont des lance-roquettes? Merci beaucoup. Face à cette résolution du Conseil des ministres, nous demandons au chef de l'État de matérialiser cette décision du Conseil des ministres. Comment matérialiser? Nous voulons qu'il fasse accompagner ça par une mesure d'accompagnement sécuritaire. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il y ait une structure qui va regrouper tous les Mai Mai. Une structure qui va regrouper tous les Mai Mai, qui va collaborer avec le gouvernement.
qui va collaborer avec le gouvernement. Si le gouvernement a quelque chose de s'adresser au Mai Mai, que cette structure soit là pour répondre, que ce soit un pot. Avec... Est-ce que c'est possible de les regrouper tous ensemble? C'est possible. Ils sont tous en contact. C'est possible, ils sont en contact. Le général Yakutumba, le général Alida, le général René, le général Kibukila. Apparemment, vous les connaissez tous. Le général Makanaki Auvira et le général Janvier Kalahire, ils sont en contact. Ils sont en contact tous, ils collaborent. Et ils ont une unité de commandement opérationnelle. Nous demandons au chef de l'État une mesure de sécurité par rapport à cette décision du Conseil des ministres pour que les Maïmaï se sentent sécurisés. Prendre cette décision seulement, dire que non, ils sont devenus des réservistes, ce n'est pas sécurisant. Nous demandons qu'il y ait cette mesure pour que les Maïmaï se sentent sécurisés. Alors, mais il y a aussi l'option, le président de la République avait appelé à rejoindre les rangs de l'armée carrément. Pourquoi ces Maïmaï, au lieu de rester en force d'autodéfense, ne s'alignent pas carrément derrière le commandant suprême? Le commandant suprême, il est notre chef. Nous obéissons à sa demande. Mais il ne faut pas oublier que les Maïmaï sont des patriotes. Nous ne sommes pas des patriotes pour un régime donné. Ils sont les patriotes, leur patriotisme, c'est pour la nation congolaise. Voilà pourquoi, à l'époque du maréchal Mobutu, les Maïmaï militaient. À l'époque le fait président Laurent Désiré Kabila, les Maïmaï ont travaillé. À l'époque du président Joseph Kabila, les Maïmaï ont prouvé... ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Et aujourd'hui aussi, c'est pour prouver que non, les Maïmaï ne sont pas là pour un régime donné. Ils sont là pour la nation congolaise. Et aujourd'hui... Mais l'armée aussi, c'est pour la nation. Bien sûr. Pourquoi ne pas rejoindre l'armée? Non, rejoindre l'armée, il y a des préalables. Il y a des préalables. On ne peut pas rejoindre l'armée automatique comme ça. Hein? Il y a des préalables. Quelqu'un qui reste des années et des années en brousse... Hein, qui ne sont pas ravitaillés par l'armée, et ils sont là, ils acceptent. S'il y a les appels, on répond directement, puisque le Maïmaï n'est pas un obstacle pour l'État. Les Maïmaï ne cherchent pas le pouvoir. Nous sommes là uniquement pour militer, pour défendre l'intégrité de notre pays, pour faire la fierté de notre pays. Et voilà, nous demandons au chef de l'État qui est cette mesure de sécurité, cette instance où nous allons parler. La même occasion, nous formulons cette demande d'audience auprès du chef de l'État pour qu'on puisse parler, pour que les Maïmaï puissent sortir en sécurité. Et qu'en est-il des relations entre les populations locales et les Maïmaï? Est-ce que autant votre image est un peu ternie dans l'opinion au niveau de Kinshasa, c'est le cas aussi en province, à Fizi et Uvira, partout où vous avez cité, ou bien les Maïmaï entretiennent de bonnes relations avec les populations locales? Mon frère, c'est une bonne question. Sans que la population nous soutienne, les Maïmaï ne devraient pas faire tout ce temps qu'ils ont fait en brousse. Nous étions soutenus par la population puisqu'on a manifesté des valeurs qui incarnaient notre élite. La lutte incarnait des valeurs de protéger la population et leur bien. Si les Maïmaï pillaient, on ne devrait pas arriver là où nous étions. Mais aujourd'hui, puisqu'on a respecté tous les principes de la guerre, tous les principes d'intégrité, et voilà pourquoi on a eu l'accompagnement de la population. Donc la victoire d'aujourd'hui, nous la dédions à la population du Nord Kivu et du Sud Kivu en général. Ils nous ont accompagnés par des contributions, par les rapports. En tout cas, nous disons seulement que merci à eux, à leur accompagnement, et nous tenons aussi à dire que nous, demain ou après-demain, quand tous les Maïmaï vont sortir, conformément au prescrit de notre entretien avec les chefs de l'État qui va intervenir demain ou après-demain, tout le monde sera content. Je pensais que vous demandiez une audience, apparemment vous l'avez déjà calé. Oui, notre demande auprès du commandant suprême, elle est d'office, puisque lui-même c'est un patriote. Du fait qu'il vient de reconnaître cette qualité au Maïmaï, ça témoigne que non, lui-même, il est Maïmaï.
Je me rappelle mon intervention de l'année passée. Je fus le premier à déclarer que non, le chef de l'État était Maïmaï. Ça veut dire quoi, Maïmaï? Maïmaï, c'est quelqu'un qui aime son pays. Maïmaï. Maïmaï, vous aimez ton pays. Tu acceptes de mourir pour ton pays. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas seulement être en brousse, même vous pouvez être ici, tout comme en Europe, tout en soutenant, tout en appuyant ce qui se passe là-bas pour l'intégrité territoriale de notre pays. Vous êtes présenté comme le patriote, c'est bien cela? Je suis patriarche. Patriarche, pardon. Nous patriarche de Maïmaï. Patriarche Koskoya Kasuedi. Vous aviez été professeur, vous avez abandonné cette vie professionnelle pour combattre les ennemis de la République, tel que vous nous l'avez raconté sur ce plateau. Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour toutes ces histoires. Et on espère qu'il y aura une issue meilleure, parce qu'on a dit que toutes les voies étaient bonnes pour stopper l'agression rwandaise. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité de la soirée. Il s'agit de M. Jeannot Lompempe. Et c'est un analyste politique et un haut cadre de la plateforme politique, le Front commun pour le Congo.